En ce qui concerne la fertigation, on a là un élément justement qui va servir à aspirer l'engrais soluble qui a été placé à l'intérieur d'un réservoir. Donc on a mélangé l'engrais, ça peut être de l'azote, ça peut être de la potasse, en tout cas un engrais soluble. Et vous voyez là une petite crépine là, qui est là, qui va faire une première filtration à l'intérieur du réservoir. Donc on plonge ceci, à l'intérieur connecté sur une vanne ici. Et la vanne elle-même est montée sur ce petit dispositif en fait qui est la clé de l'aspiration de l'engrais soluble. Parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle un venturi. Quand on le regarde très bien, on peut voir là que la section de passage, bon, la circulation de l'eau va dans ce sens, hein. La section de passage connaît un rétrécissement ici, vous voyez là, et après un élargissement progressif. Et on sait, selon l'équation de Bernoulli, que principe de conservation de topographie. Donc H égale à P carré, P sur ρg plus V carré sur 2G plus Z. Bon, si on suppose Z constant, donc même cote, eh bien si on augmente la vitesse, ce qui va se passer par le biais du rétrécissement ici, on voit là, si on augmente la vitesse, alors forcément, à cet endroit où la vitesse a augmenté, la pression va diminuer, la hauteur de pression diminue. Et pour maintenir ce petit dispositif, on va le placer en dérivation sur la tuyauterie principale, dans l'ouvrage de tête, et on va mettre un petit tuyau qui vient de ce côté, qui va amener l'eau à partir de la tuyauterie principale dans le venturi. Donc il y a la dépression qui se crée là, et cette dépression va créer une aspiration, une remontée donc à partir du réservoir de fertilisation, une remontée d'une certaine quantité de fertilisant soluble, et on régule le débit avec cette petite vanne qui est là, hein, dont on trouve les indications donc selon la dose que l'on veut dans le catalogue, et puis dans cette tuyauterie principale. Voilà comment ça se passe, le principe, les dispositifs en tout cas pour la fertigation. Maintenant, il existe différents types d'engrais, les dosages, etc., etc. Mais ça, c'est le principe, le venturi. C'est un dispositif très très simple qui crée seulement une dépression et une aspiration pour rejoindre le circuit principal. Voilà.